Welcome to Crowd One presentation. Bienvenue à la présentation de Crowd One, OK? Mon entreprise veut partager son profit avec toi. Tu dis quoi? Oui ou non? Réponds dans le chat. My company wants to share its profit with you. What do you have to say? What do you say? Do you say yes or no? Qui est prêt à partager le bénéfice de mon entreprise? Si oui, tu mets oui. If you are ready to share my company's profit, say yes. Say yes in the chat. If you're not ready, then say no. It's okay. Maybe you don't need money. Si tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de partager le bénéfice de mon entreprise, tu peux dire non aussi. Peut-être que tu n'as pas besoin d'argent, tu en as trop. OK? Mais en tout cas, si tu es prêt là, tu es là, tu es venu partager le bénéfice de mon entreprise, tu me dis yes. Tu me dis oui dans le chat. If you are here to share my company's profit, say yes in the chat. OK. So, everybody's ready. Everybody wants to share, OK? Mon entreprise, c'est l'entreprise de beaucoup de personnes dans ce chat. Elle s'appelle Crowd One. Dans ce monde-là, c'est l'entreprise qui dit, elle va se lever et puis elle va partager son bénéfice avec ses membres. Voici de quoi il s'agit. My company said she wants to share its profit with you. That's what I'm talking about, OK? So we're going to see how is it possible. Why she wants to do that. On va voir pourquoi c'est possible, comment c'est possible et pourquoi est-ce qu'elle veut faire cela? Il y a une nouvelle forme d'économie qu'on appelle l'économie du partage. Depuis un certain nombre de temps, d'un certain nombre d'années, vous allez remarquer que beaucoup de plateformes commencent à naître, des plateformes qui attirent du monde, qui attirent de la foule. Et c'est ce qu'on appelle l'économie du partage parce que ces plateformes-là, leur pouvoir, leur économie est basée sur la foule. Airbnb en est une. Airbnb ne possède aucun appartement, aucune chambre, aucun hôtel, aucune maison. Et pourtant, Airbnb se fait de l'argent dans l'immobilier parce qu'elle a basé son business sur l'économie du partage. Elle a mis une plateforme, elle a dit aux gens, écoute, tu as une maison, viens t'inscrire. Tu cherches maison, viens t'inscrire. Entre vous, gérez-vous et puis moi, je prends ma commission. C'est ça l'économie du partage. Entre nous, particuliers, on se rend des services. J'ai ma maison, viens louer, je te loue, je veux louer, je cherche quelqu'un qui a une maison. C'est comme ça l'économie du partage. Pareil pour Uber. Uber aussi, qui est dans le domaine du transport. Uber est une plateforme qui rassemble du monde, tous ceux qui ont besoin de louer des voitures, des véhicules. Et pourtant, Uber ne possède aucun véhicule. Aucun véhicule. Mais pourtant, Uber se tape des milliards. Voici que CrowdOne aussi a compris cette économie du partage. Et CrowdOne aussi a lancé une plateforme. CrowdOne ne possède pas à elle seule des produits physiques, des produits à elle. Mais CrowdOne met aussi en relation des abonnés, des membres avec ceux qui ont les produits digitaux. Et CrowdOne aussi se fait du profit. Mais à la différence de Airbnb et Uber qui se tapent des commissions sur tout ce qui se passe dans leur plateforme et gardent tout pour elles seules, CrowdOne dit... Moi, je vais récompenser mes membres. Moi, je vais payer mes membres sur ce que je gagne parce que mes membres sont ma communauté. Je n'ai pas envie d'exploiter mes membres. Je veux que mes membres gagnent avec moi parce que c'est grâce à mes membres que je suis puissante, que je suis grande. OK? So, there's a new form of economy called the shared economy. This type of economy, you can find it with companies like Airbnb, Uber, those platforms that gather crowds. A lot of people around, a lot of people come on the platform. And we are sharing. I have an apartment, you can come and rent it, okay? I have a car, you can rent it. You know, individual with individuals. It's not business with business, individuals with individuals. So those platforms are just there to make individuals deal with individuals. And when there's a transaction, the platform makes its commission, makes money. This is how Airbnb makes money. This is how Uber makes money. Airbnb doesn't own any home, any house, any apartment. Uber doesn't own any cars, any vehicle, but they make money, okay? They make commission and they make money. But when they make money, do they share it? No. So CrowdOne understood this new type of economy. CrowdOne said, I'm also going to put a platform. I'm going to bring crowds, okay? And I'm going to bring businesses. Crowd will consume the business products. I will make my money. I will make commission out of the transactions. But
I will share my money. Airbnb is not sharing its money. Uber is not sharing its money. But Crowdon said, I'm going to share my money with my community. Because it's because of my community that I'm becoming stronger. I'm becoming powerful. So I want to give back. I want to share. That's the idea behind CrowdOne. OK? C'est ça l'idée derrière CrowdOne. Donc aujourd'hui, veux-tu appartenir à une communauté où, quand il y a des transactions, il y a des ventes, il y a du chiffre d'affaires, il y a du profit, toi qui es membre, on te partage une partie? Ou veux-tu appartenir à une communauté où, quand il y a du chiffre d'affaires, tu es laissé pour compte et c'est l'entreprise à la tête qui bouffe tout? C'est ça la question, OK? Donc, CrowdOne a bâti un réseau puissant depuis seulement l'année dernière. En un an seulement aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 millions de membres. CrowdOne est venu avec un concept malade, un concept béton, que jusque-là même, c'est difficile pour certains de comprendre, pas parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile pour le cerveau humain d'accepter qu'une entreprise veut partager. Voici pourquoi c'est compliqué et ça commence à ressembler à de l'arnaque pour certains. OK? CrowdOne Network is huge. In only 1 year of activity, 10 million members, OK? The concept is so crazy that people are not understanding. Not because it's complicated to understand, but just because the company decided to share. The human brain cannot understand that. So people are thinking, oh, it's scam, it's this and that. But it's not scam, I'm sorry. It's real. We are making money. We are sharing the company's profit. OK? Donc, il n'y a rien de mal. Le truc est simple. Elle veut partager. Tu viens, tu prends ta part. Mettons ta part, ça dépend de toi. Tu veux une petite part de gâteau? Tu veux une part moyenne, une grande part? Choisis ton outil. Viens avec ta fourchette, viens avec ta pelle, viens avec ton râteau et puis prends ta part. OK? So, the part that you are going to receive from CrowdOne depends on you. Decide how you want to eat that part. How do you want to share that part? How you want to eat that cake? If you want to use a fork, or you want to use a spoon, you want to use I don't know. It depends on you, OK? Donc, au jour d'aujourd'hui, CrowdOne a des produits et services. Et quand je dis produits et services, ce sont des plateformes partenaires, OK, qui ont ces produits et services en ligne. CrowdOne ne deal pas avec les produits physiques. CrowdOne a fini avec ça. Je suis désolée, en 2020. Produits physiques, ça existe, oui, c'est pour les autres. Mais le futur, c'est dans le digital. CrowdOne n'a pas le temps de créer des produits physiques. Tu vas attraper, ça va pourrir dans rien de temps. Tu vas jeter dehors pourrir la nature. Non. CrowdOne mise dans le digital. Tout ce qui est digital, tout ce qui est en ligne et tout ce qui est mobile. Parce que le digital, c'est l'avenir. On est en train de se digitaliser. Tout devient en ligne, mobile, digital. Et ce qui est bien, les produits digitaux, ça ne salit pas l'environnement, ça ne pourrit pas. Tu peux garder pendant de nombreuses années, ça reste intact. Ça ne perd pas de valeur. OK? Et voilà que les grands produits qui concernent le monde entier sont Live Trends, la plateforme pour les réservations d'hôtels, de voyages de vacances, de voitures de location. Et puis bientôt, je suis sûre qu'il y aura des billets d'avion. GridHub, la plateforme pour la formation en ligne, le e-learning. Afilgo, la plateforme pour les jeux en ligne. Et Mixter, la plateforme pour les jeux mobiles de société. Afigo, c'est plus les jeux de hasard, les jeux de paris et tout. Et tout. Donc, certains sont toujours en forme de lancement. Afigo n'est pas encore disponible partout et Mixer n'est pas encore lancé. Mais c'est Live Trends et MyGridHub qui sont vraiment en lancement plein. OK? D'accord? So, I was saying that CrowdOne has different platforms that has digital products. CrowdOne only chose to go on the digital products industry. Why? Because physical products, it's okay, it's cool, but physical products lose its value over time. Physical products can destroy environment, can pollute environment. Physical products, you know, is subject to different kind of crises. You know, if there's any economic crisis, there's any political crisis, then you do businesses with physical products, you have issues. But digital products is the future. Everything is becoming digital and mobile, okay? With digital products, you're not polluting any environment. You can throw it because you can't even touch it. With digital products,
You can keep it forever. It's not going to lose value, okay? And for those global products, products over the whole entire community, you have Life Trends. Life Trends is a platform where you can reserve hotel rooms, you can rent car online, you can, buy your vacation, anything that has to do with trips. And very soon, we're going to have also, plane tickets, okay? The second platform is called MyGritHub. MyGritHub is a platform where you can have e-learning modules, lessons, okay? Lessons about leadership, what else? Leadership, entrepreneurship, self-development, stuff like that, okay? Because it's very important. When you make money, you need all those kind of lessons. Afigo is a platform for games, but adult games like betting, stuff like that, casinos. And Mixer is a platform for mobile gaming, okay? But Mixer is not launched yet. It's just pre-launched. Afigo is also launched, but not everywhere, just in some few countries, okay? And the platform that are very, very, fully launched are Life Trends and GritHub. Now, we also have other products that are regional. On a des produits qui sont régionaux. C'est-à-dire, ces produits sont développés uniquement dans certaines régions, certains pays. On a Safer, qui est en Afrique du Sud. C'est une application où c'est un peu comme ton homme de sécurité et ton ambulance digitale. Tu vois, encore une fois, dans le digital, tu as une application, tu es quelque part, tu as un problème, on t'a attaqué ou bien tu ne te sens pas bien, tu appuies sur un bouton, on vient te secourir. OK? En Afrique du Sud, c'est fonctionnel. Tribute, c'est l'application qui est disponible au Nigeria et j'espère que ça sera bientôt disponible, en tout cas dans mon pays et partout, parce que nous aussi, on aime s'habiller. C'est une application pour choper en ligne des vêtements et accessoires de luxe, en fait, mais à prix de deal. Et on sait comment les Nigériens adorent flasher, adorent se montrer, donc ça va cartonner là-bas. Je pense que Crowdon étudie bien ses marchés et lance les choses là où vraiment, il y a vraiment un vrai marché à se faire. Mais ce qui est bien, c'est que l'application soit chez toi, que ça ne soit pas chez toi, toi, il faut parrainer. Parce que si tu parraines un filleul qui est au Nigeria, qui est en Afrique du Sud, qui utilise l'application, tu vas gagner, que tu sois là-bas ou pas, OK? So, we also have regional products. Products are only available in some countries, OK? Safer is an application, it's like your personal arm and medical response, OK? You are anywhere in South Africa, you have an issue, you hit a button and someone come and rescue you, okay? That's digital. It's not the physical, the physical type of medical thing, you know? Secondly, you have Tribute. Tribute is an application where you can shop, okay? A website where you can shop for luxury products. And it is available in Nigeria because we all know how Nigerians like to flex, okay? So this product is going to be a buzz in Nigeria. So the great thing about all this is that whether you're in Nigeria, whether you're in South Africa or not, it doesn't matter because we are here to make money. Just focus on referring people anywhere in the world because if you have downlines in Nigeria and it happens that they consume anything on Tribute, you are going to make money too. You have downlines in South Africa, they consume on Safer, you're going to make money too. OK? J'espère que je suis en train d'enregistrer ce que je suis en train de faire. Je ne sais même pas si le bouton est lancé, mais bon, c'est pas grave. Je continue. OK. So, en gros, on va maintenant gagner de l'argent avec nos smartphones parce que quand on dit gagner de l'argent avec ton smartphone, c'est le fait, c'est un concept, OK? Il faut prendre ça comme ça. Tu as un smartphone. Tu t'inscris à CrowdOne. Tu as une application CrowdOne que tu peux télécharger. Ton application, quand tu l'ouvres, que tu gagnes de l'argent, il y a un bruit qui sonne, le bruit de la machine, cash money machine, OK? Et mais bientôt, tu vas maintenant t'occuper à en parler autour de toi, parrainer, gagner de l'argent, utiliser ton smartphone, aller sur les plateformes, consommer, gagner de l'argent. Tes filles vont consommer, tu vas gagner de l'argent. C'est la nouvelle vie que tu vas mener avec ton smartphone. Fini la vie du smartphone où, quand on se lève le matin, c'est pour aller regarder ses messages Facebook, WhatsApp, puis c'est terminé.
On prend le téléphone, on appelle un ami, on envoie un SMS, c'est terminé. Ou on se prend des photos, on est content, on pense, c'est terminé. Je suis désolée, cette vie-là, elle est terminée. La nouvelle vie que tu vas quand tu te réveilles le matin, c'est qui avec qui je veux parler. J'ouvre mon compte pour voir combien j'ai gagné, comment mon réseau s'agrandit. Mais streamline, c'est ça la nouvelle vie que tu vas avoir. Depuis que je suis dans CrowdOne, moi, quand je me connecte mon téléphone, je veux voir mon compte. Je veux voir comment mon réseau a évolué. C'est ça, en fait, ma nouvelle vie. OK? So you're gonna have a new life. That new life is your new smartphone life. That smartphone that used to only make calls, only go on WhatsApp, Facebook and check your messages, take your picture, look cool, fun, sexy, put your phone, your picture on the social network. This is finished. I'm not saying you're not gonna do that no more, but most importantly, when you wake up, you want to take your phone, hold your phone, open your CrowdOne account. That account that you open via an application, mobile application. You want to see who joined your network. You want to see how much money you made. You want to see how much streaming you're getting. That's the new life you're gonna have. And this new life is your smartphone making you make money, OK? J'ai oublié de parler du magazine aussi. Il y a un magazine, c'est aussi un produit d'entreprise. Magazine Crowd qui est disponible digitalement comme physiquement, OK? Donc, on peut l'acheter à partir de son back office. So, en gros, vous êtes dans un business 100% mobile et c'est important de retenir cela 100% mobile. Regardez tous les business en ligne, regardez les business en ligne qui s'offrent à vous aujourd'hui, tous ces business que les gens font. Ce n'est pas évident d'avoir un business qui a une application. Pourquoi Crowd n'a pensé à faire des applications? Parce que Crowd a compris qu'aujourd'hui, l'homme ne peut pas se passer de son téléphone. Ta main attrape ton téléphone combien de fois dans la journée? OK? Donc, s'il faut seulement faire une application en ligne ou il faut aller dans un ordinateur, aller dans un cyber quand tu n'as pas d'ordinateur, avant de te connecter dans ton compte, ou quand tu prends ton téléphone pour aller en ligne, tu es sur un site et c'est difficile de voir, tu as oublié de zoomer. Crown a compris qu'aujourd'hui, tout doit s'adapter au téléphone. Voici pourquoi, si tu ne veux pas aller sur ton ordinateur, tu as une application sur le téléphone. Et c'est sur Google Play Store comme Apple Store. Tu as un iPhone, tu as un Samsung, tu as un Techno, tu as un Huawei, peu importe le téléphone que tu as accès à CrowdOne. Sur ton mobile. So, CrowdOne made this business 100% mobile. I know you know some businesses that are saying make money online, but not all those businesses, they have application that you can download on Play Store or Apple Store. The reason why there's an application is to make things easier and simple. Instead of always going on Google and typing the address, looking for the address, you just take your phone, you download the application, period. The application is on your phone. Anytime you just have to hit the icon and you are in your CrowdOne account, OK? So, l'accès est facile et ça rend la vie vraiment simple et on gagne l'argent vite fait. Donc, voici les deux personnes clés à la tête de CrowdOne. Le fondateur Jonas Eric Werner et le CEO qui est le PDG Johann Steil von Holstein. The two main persons at the head of CrowdOne are the founder Jonas Eric Werner and the CEO Johann Steil von Holstein. They are friends. Look at them. It's a great team, a dream team, OK? C'est une équipe de rêve. Deux cracks à la tête d'une entreprise qui est ton entreprise, cette entreprise qui veut partager avec toi. Ce n'est pas n'importe quelle personne que tu vois là. Ça fait plaisir de savoir que ceux qui dirigent l'entreprise en laquelle je crois et je mets toute mon énergie sont des experts et ils vont mener mon entreprise de l'avant. Ce n'est pas juste un plaisantin qui a créé un site en ligne comme ça, on ne sait pas qui c'est, et puis on est là, on se donne à fond, et puis demain, boum, on dit que ça a capoté. Non. Ces gens savent ce qu'ils font, ils ont de l'expérience, ils ont déjà créé des sociétés qui ont cartonné. OK? Donc, soyez tranquille, je ne suis pas en train de les vanter, mais je suis en train de te dire que tu n'es pas dans n'importe quoi. Surtout ce gars-là, le CEO, il a déjà lancé des entreprises qui étaient start-up. Quand il dit start-up, ça dit que ça a commencé depuis zéro, comme Facebook. Ça s'est levé un matin tout petit et puis c'est devenu boum. Johann Steil a lancé des start-up, trois start-up qui ont eu le statut de licorne, c'est-à-dire qu'elles sont allées en bourse et aujourd'hui elles valent plus de 1 milliard de dollars. Ton entreprise va valoir plus d'un milliard de dollars. Tu n'es pas content? Tu seras la tête d'un empire, d'une entreprise qui va valoir plus d'un milliard de dollars et tu seras un des pionniers de cette entreprise. Tu n'es pas content? Alors, tu vas jouer avec ce compte, tu vas t'arrêter à ton compte White et puis tu es trop content, tu vas attendre tes petits CrowdOne Rewards chaque semaine de 1,25
ou bien tu vas prendre ça sérieusement et tu vas t'asseoir bien pour que quand ça explose, tu sois parmi les plus riches de ce business. So, these two guys that you're seeing, they are the head of this company and they are not anybody. I'm not talking about business where I just saw online, just a website, saying come and make money, like some plenty website you can see. I will never sit here and make conference Zoom about a website I just saw online and they say just come and make money. I'm sorry. I'm in this company because the two people at the head of that company, they are expert. They are crack. They are going to take this company and to the next level. They're going to make this company an explosion. That is why I'm still sticking to this company. And this person, particularly the CEO, he's a genius in terms of making a startup going to become a, how you call it? A unicorn. A unicorn in business is a startup that has a value of more than $1 billion. So I'm talking to you, Ryan. I'm telling you that this company you are seeing, that account that you are having, because you have an account in CrowdOne, you are part of CrowdOne. CrowdOne is your company. And I'm telling you that your company soon is going to be a unicorn. The value is going to be more than $1 billion. So what are you doing? Are you playing with it? Are you just having a small white account and you're happy? Are you hitting on that button every Wednesday to wait for your 1.25 CrowdOne reward and you are happy? Or do you want to take this business seriously and move to the next level, try to upgrade to have the biggest account in this company and try to build the business, the biggest team ever in this company? It's up to you, okay? But this company is going to explode very soon. So don't wait. Opportunity is now, not later. L'opportunité, c'est maintenant et non après. L'entreprise a des bureaux partout dans le monde. Elle n'a pas besoin de bureaux dans tous les pays. Donc, quand on vous demande, est-ce que l'entreprise a un bureau dans tel pays, dans mon pays, dites à la personne, écoute, si tu ne veux pas t'habituer au digital, que tu attends le bureau d'un pays, alors va chercher le bureau de Facebook. Si tu trouves Facebook, va faire Facebook. Est-ce qu'il y a un bureau de Facebook dans ton pays? Pourtant, tu as ouvert un compte Facebook, tu vas plus payer, puis c'est Facebook. As-tu besoin d'un bureau de CrowdOne dans ton pays avant de faire CrowdOne, qui est un site en ligne, on ouvre son compte en ligne? CrowdOne ouvre ses bureaux dans des endroits stratégiques juste pour vous montrer que elle est sérieuse, elle s'implante et elle compte vraiment être là pour de longues années. C'est tout. Moi, je n'attends pas CrowdOne dans mon pays pour me lancer à fond. So, CrowdOne has offices in several countries in the world. But she doesn't need to have an office in your country. I'm sorry. If you're waiting for CrowdOne office in your company, in your country, before you even open a small white account online, then keep waiting. Because we are in a digital era. We don't need an office, a company office in our country before we do business. Did you need a Facebook office in your country before you open your Facebook account? Do you need Facebook in your country before you go and buy online for advertising on Facebook? You can do that for Facebook, but for CrowdOne, you're going to ask for documents. I want to see the documents. I want to see this. I want to see that. Tu peux ouvrir ton compte Facebook, tu vas payer. Ta puce Facebook, tu sors ta carte Visa, tu es à l'aise. Mais pour CrowdOne, tu veux voir les papiers de l'entreprise. C'est où? Elle est constituée comment? Avant de payer un petit compte de 99 € qui vaut le prix d'un smartphone. À cause de 99 €, tu vas poser 1 001 questions à la personne qui t'en a parlé. Comme si tu n'as jamais jeté 99 € dehors. Franchement, pour 99 €, tu me demandes les papiers de l'entreprise. Alors, ma réponse aussi ira avec ça. D'accord? Donc, l'entreprise a des bureaux, on a compris, on passe à autre chose. Les packs de formation. Tu veux adhérer à CrowdOne, tu payes un pack de formation. C'est l'un des premiers produits de la plateforme Grit Hub. Quand tu payes le pack de formation, tu deviens membre parce que tu as consommé déjà un premier produit. Alors, quand tu payes ton pack, ne viens pas dire à quelqu'un, je veux me retirer, comment on fait? Tu as fini de consommer les produits, tu as eu tes leçons et puis tu veux te retirer. Tes leçons qui sont dans ta tête, tu vas donner ça à qui? Tu as consommé, c'est dans ton compte. Tu veux pas, c'est dans ton compte. Ça a été livré. À toi d'en faire ce que tu veux. OK? So there are different types of ways to join CrowdOne. You have to buy one of the e-learning packs. You decide the one you can buy according to your budget. But trust me, if you have money, don't come and say, because it's new, I'm going to start with the white pack. Why? You have money, you want to start with the white pack for what? Because you don't trust them, don't do it. Because white pack, if you have money, the white pack is the price of a phone.
You are throwing this money everywhere, anytime. But to make money, seriously, you want to think too much. You want to start with the white pack. Quand il s'agit de payer les packs, je suis désolée, ne va pas pour le plus petit pack parce que c'est nouveau, tu veux voir d'abord. Non. On est là pour faire business, pour gagner de l'argent vite fait. On n'est pas là pour venir tester. Si tu n'as pas d'argent, je peux comprendre. Mais tu as de l'argent et puis tu dis tu vas commencer avec le white pour voir, tu perds ton temps. Commence. C'est quoi le white pour toi que tu n'as jamais dépensé dans ta vie et puis tu vas commencer avec le white? So, the first pack is a white pack. Je vais donner les prix en euros. Le prix que vous voyez ici, ce sont les prix en BP, Business Point. OK? C'est l'unité de valeur de la plateforme de CrowdOne. Prenez ça comme ça. Pourquoi? Pour uniformiser le système mondialement. Je suis en Chine, je suis au Cameroun, je suis en Côte d'Ivoire. Quand je me connais dans mon compte, je vois ma balance en BP. Tout le monde voit la balance dans la même valeur. Si on mettait des euros, le Chinois n'allait rien comprendre. L'Américain n'allait rien comprendre. Nous aussi, on en sait faire, on comprend, mais on doit toujours calculer, convertir. Tout le monde va convertir maintenant. Parce que 10 BP, c'est 1 euro. Donc, 990 BP, c'est 99 euros Bitcoin. Et c'est des euros Bitcoin et non des euros. Donc, il y a 4 packs. Le pack white, 99 euros Bitcoin. Le pack black, 299 euros Bitcoin. Le gold, 799 euros Bitcoin. Et le titanium, je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez. Le titanium, 2499 euros Bitcoin. D'accord? La différence entre les packs, c'est quoi? Plus ça augmente et plus tes avantages augmentent. D'abord, tu as plus de cours, de modules de formation de MyGridHub en fonction des packs. Tu n'as pas les mêmes heures de modules. Ensuite, tu reçois plus de CrowdOne Rewards, les cadeaux que l'entreprise te donne, là, les points de rewards que tu reçois quand tu adhères. Là. Plus ça, le pack évolue et plus tu as des points. Et enfin, tu as aussi des avantages sur les bonus. Si tu prends un petit pack, tu es limité. Voici pourquoi je le dis. Si tu es venu faire de l'argent sérieusement, alors oublie ce pack white. Il faut que tu le bannisses même de ton vocabulaire. Si seulement, si tu es un petit étudiant, ça ne va pas chez toi, vraiment, c'est coincé, vas-y, commence par ça, mais ne t'éternise pas là-bas. OK? So, there are four different packs. Each pack has a different value. The higher the value is, the more advantages you have. So that is why if you come and make money, don't go for the white pack. Only if you don't have money, then start with it, but don't stay forever with that pack too, okay? So, the difference is that the higher the value is, the more education lessons you have, and also the higher the CrowdOne rewards you get from the company are, okay? And also your bonus, you are not gonna be limited in bonus, okay? If you go for the higher pack, then you are not limited anywhere, all right? So, les CrowdOne rewards, pourquoi c'est important? Les CrowdOne rewards sont les points que l'entreprise va te donner déjà dès que tu adhères. Ces points-là, ça a de la valeur et c'est dans ton back-office que tu les vois. Ce sont des points, ce n'est pas de l'argent, s'il vous plaît. N'allez pas me demander, mais CrowdOne rewards, est-ce que je peux retirer ça ou bien est-ce que je peux prendre pour acheter un autre pack? Non, tes rewards sont des points qui dorment dans ton compte et qui ont de la valeur. Mais la valeur, c'est juste à titre de référence. Sinon, c'est des points que tu as. OK? Mais à quel moment ça sera important? C'est le moment où l'entreprise va payer ses primes trimestrielles. Elle va regarder combien de points tu as. Tu as petit point, tu as petit argent. Tu as moyen point, tu as moyen argent. Tu as gros point, tu as gros argent. Donc, si tu veux beaucoup de points déjà, prends un bon pack d'abord. Et quand il y a une promo, ne t'amuse pas avec les packs, cherche à avoir le titanium. Quand tu as fini avec les packs, maintenant, je vais te montrer plus tard comment tu vas augmenter tes points. Parce que tu as beau avoir le titanium, les points que tu as, t'inquiète, c'est rikiki dans ce business parce qu'il y a des gens qui ont des points pas possibles dans ce business. Il y a des gens qui ont des millions de points de CrowdOne Rewards. Alors, tu penses que titanium, là, tu as trop eu, tu n'as rien eu. Voici pourquoi il faut te donner dans le réseau. So, it's very important to have CrowdOne Rewards. CrowdOne Rewards is what? CrowdOne Rewards are those points that the company gives you when you join. But you can also increase them if you start building your team. Those CrowdOne Rewards points, they are important when the company is ready to pay us every quarter. Every quarter, the company is going to pay us on the company's profit, but she's going to look at how many points you have. You have small points, you have small money. Little points, little money. More points, more money. Big points, big money. So if you are here for big money, then try to have the biggest amount of CrowdOne rewards you can have. Choose one of the biggest pack
and increase your rewards by building a team. That's the rule in Crowd1. C'est ça la règle à Crowd1. À Crowd1, je viens chercher le maximum de Crowd1 rewards parce que c'est mon avenir. Quand je serai vieux, retraité, que je n'aurai plus la force de parrainer, ce sont les rewards là qui vont assurer ma vie, la fin de ma vie, mes générations futures. Parce que mon compte, là, je vais le passer de génération en génération. Mes enfants, mes arrière-enfants vont venir trouver 2 millions de Crowd1 rewards dans mon compte. Ils vont manger l'argent, ça ne va jamais finir parce que chaque trimestre, on va me payer. OK? So, I'm here for in Crowd1 to make the biggest Crowd1 rewards I can have. OK? OK, maintenant, on va voir maintenant comment l'entreprise gagne de l'argent. OK, pour ne pas qu'on dise que non, c'est du Ponzi, c'est du pyramidal. Elle attend que quelqu'un rentre pour prendre l'argent pour payer d'autres personnes. OK? L'entreprise a un système qui est en place qui lui permet de générer des revenus. Elle a dit qu'elle va nous partager ses profits. Pour qu'il y ait profit, il faut qu'il y ait activité. Il faut qu'il y ait chiffre d'affaires. Il faut qu'il y ait des ventes. D'accord? Donc, l'entreprise dit, toi, le membre, quand tu es membre, dans ton Crowd1 Rewards, va dans ces stores. Tu vois qu'il y a des plateformes, n'est-ce pas? OK. Chaque plateforme que tu vois sont des boutons, en fait. Tu n'es pas encore sur LiveTrend quand tu es dans Crowd1. Tu seras sur LiveTrend quand tu vas appuyer le bouton LiveTrend et tu vas voir que tu vas sortir de ton compte Crowd1 pour aller sur le site de LiveTrend. Tu es sur LiveTrend, mais tu es parti de Crowd1 pour arriver sur LiveTrend. Donc, il y a un lien entre les deux. Tout ce que tu feras sur LiveTrend, Crowd1 est au courant et Crowd1 est payé pour ça. Tu payes, Crowd1 reçoit. Donc, toi, le membre, à partir de ton téléphone, tu vas cliquer de ton compte sur un bouton que tu veux, LiveTrend, AffiliateGo, etc., etc. Tu vas atterrir sur la plateforme en question, tu vas faire des dépenses là-bas, acheter, et Crowd1 va recevoir sa commission par le partenaire. Le partenaire sera content, il va dire, Crowd1, tes filles sont venues sur mon site, ils ont consommé. Tiens, l'argent, voici ta commission. Et c'est cette commission que Crowd1 va venir partager avec nous. OK? So, here is how Crowd1 does how Crowd1 makes its money. I'm going to explain to you so that you're not going to think that Crowd1 waits for you to join, to take your money, to give it to the next person so that it's going to look like a scam or Ponzi. Crowd1 says she's going to share its profit. And to share profits, she needs an activity. She needs revenue. She needs sales, okay? So how is she going to generate sales? Remember, Crowd1 is a marketing company. So as a member, if you look, you go into your account, you notice a lot of video advertising of stuff. And sometimes you are tempted to click on it. The goal of Crowd1 is to generate in you the envy of buying. That's advertising. But she's not forcing you to buy. You yourself, you are going to go and buy because you feel like buying. So in your Crowd1 account, in your menu, you have the C-Store. The C-Store is where you can find all the platforms. You only see the buttons of the platform. You don't see the platforms. If you want to get to the platform, you need to hit the button. When you hit the button, then you are redirected to the platform partner, the partner's platform. You are no more in your Crowd1 account. But because you went to that platform from your account, there's a link. So the companies, the partner knows that you come from Crowd1. So anything you do, anything you shop, anything you buy, Crowd1 is going to get his share, his commission. Okay? And when Crowd1 gets his commission, she comes and gives it back to you. She shares to the whole community. Donc c'est comme ça que ça se passe, le partage des commissions de Crowd1. Donc, depuis qu'il y a maintenant les nouvelles plateformes comme LiveTrend, Safer, Tribute, le plan de compensation a changé. Avant, Crowd1, son profit est partagé en trois. Une partie pour elle, 20% pour les frais d'entreprise, 40% pour tous les membres chaque trimestre, les rewards, et puis 40% pour les membres actifs qui parrainaient. Maintenant, parce qu'il y a de nouvelles plateformes où il faut consommer, comme LiveTrend, par exemple, le plan de compensation a changé. Cette fois-ci, Crowd1 a commencé maintenant à récompenser ceux qui consomment d'abord. Donc, regardez le schéma. Quand tu bâtis ton réseau et puis un de tes filleuls, par mégarde, a vu la puissance de LiveTrend dans son compte, il ne t'a pas appelé pourtant. Il a été attiré, il allait sur le site de LiveTrend et il savait qu'il a envie de réserver une chambre d'hôtel. Toi, tu gagnes 15%. Tu as 15% sur tout les ventes de ton réseau.
tout ce que tes filles vont aller consommer sur Live Trends, sur Tribute, sur Safer, pendant que tu dors, sans que tu leur aies parlé de quoi que ce soit, tu gagnes 15% de commission. Voici pourquoi à CrowdVent, tu ne fais pas de vente directe. Je ne te promène pas pour aller dire aux gens, écoute, il y a un nouveau truc, il faut acheter. Hein? Non, c'est CrowdVent qui fait la vente pour toi. CrowdVent génère l'envie en nous de consommer avec de belles vidéos qu'elle fait, attractives. Quand tu regardes les vidéos live, j'ai envie de réserver une chambre d'hôtel pour être amusé. C'est ça, en fait, CrowdVent, OK? Ensuite, si toi aussi, tu consommes, tous ceux qui vont consommer, qui vont faire des réservations, qui vont faire des achats sur les sites partenaires, vont faire partie de ce qu'on appelle un pool, c'est-à-dire un groupe de consommateurs, et vont être payés aussi. Ils vont partager 25% du chiffre d'affaires entre eux, d'accord? Maintenant, les 60% qui vont rester du profit de CrowdVent, ce sont ces 60% maintenant que CrowdVent va partager comme elle a l'habitude de partager avant. 20% pour les charges de l'entreprise, 40% pour tout le monde qu'on donne chaque trimestre, les rewards, et 40% pour le bonus résiduel chaque mois pour les membres qui sont actifs, qui bâtissent des réseaux, qui ont des grades. Est-ce que c'est compris? C'est important que vous compreniez ce plan de compensation. Je vais le dire en anglais et puis après, je vais voir si vous avez compris. So, there's a new compensation plan in CrowdVent. Before, the compensation plan was based only on those 60% here. Just 20% for the company's cost, like the employees, the, what else? The marketing, the rents, office rents. Then 40% for shared with all the members into prime every bonuses every quarter. Then 40% for only active members, like people with grades, people that are building teams, okay? And we receive the residual bonus every month. But now, because there are new platform that we need to also have like sales consumption, so there's a new compensation plan whereby this is the CrowdVent 100% profit, okay? First of all, if you build a team and one downline goes and buys something on one of the CrowdVent partners platform, you receive 15% on whatever he has bought. He bought $1,000, you receive $150, okay? And you don't need to push your downline to go and buy something. In CrowdVent, you're not here to go here and there and try to sell something. The company is going to sell for you because the company is an expert in advertising. She only needs to do events. She only needs to do nice videos. And your downline is going to be amazed, and they're only going to go and consume. You're sleeping, they consume, you make money. You wake up, they consume, you make money. Okay? The second part of the profit is this part. If you yourself, you consume, every member that consumes, that makes purchases, we are going to be paid to. We are going to be part of a group called the Active User Pool. 25% of the company's profit is going to be shared among all of us, okay, every month. And finally, the rest of the profit, that is what crowd is going to be divided into three. 20% for the company's cost, 40% for the rewards every quarter, and 40% for the bonus, residual bonus every month, only for the members who have grades, OK? Est-ce que c'est compris, le plan de compensation? C'est compris maintenant? Ce n'est plus compliqué? Si oui, faites-moi un retour dans le chat. Faites-moi un retour dans le chat. Est-ce que le plan de compensation est compris? Is the compensation plan understood now, please? C'est important parce que c'est la vraie partie du business. Comment est-ce qu'on va recevoir notre argent de CrowdVent? Comment CrowdVent va partager son argent avec nous? This part is very important because it's about understanding how the company is going to share the profit with us. How are we going to be paid? That is why I want you to understand it fully, okay? Before I move on. Okay, cool. So it's easy, I can move on. Thanks. C'est bon, je peux continuer. Donc, dans le plan de compensation maintenant, pour les bonus surtout, les bonus que vous connaissez déjà, il y a plusieurs bonus. Donc, on va aller avec les bonus. We have different types of bonuses, okay? Bonuses is mostly for those who are interested in building a team, a strong team. But I'm telling you, you have to be interested in building a team. I'm not saying you have to know how to build a team. If you want to know how to build a team, you're going to know how to build a team because we're going to teach you how to build a team.
I'm just asking you, are you willing to build a team? Are you willing to build an empire? Are you willing to make money? That's the question. If yes, just relax and let us teach you, okay? Donc, cette partie concerne ceux qui sont intéressés à bâtir une équipe, un empire. Je ne vous demande pas de savoir bâtir une équipe, un empire, parce qu'on va te le montrer. La question c'est, es-tu intéressé? Veux-tu réellement bâtir ton équipe et un empire? Parce que si tu le veux, on va te l'apprendre. Si et seulement si tu es vraiment engagé, tu as vraiment la volonté. D'accord? Et si tu veux vraiment, on va découvrir les bonus. Premier bonus, bonus peur de perdre. Le bonus peur de perdre, c'est le premier bonus auquel tu fais face quand tu adhères à CrowdOne. Quand tu adhères à CrowdOne, tu as un challenge. Mais ce n'est pas une obligation. Moi-même, je vous dis que je n'ai pas réussi ce bonus parce que quand j'ai adhéré à CrowdOne, les premiers jours, les premières semaines, je n'ai pas réellement... j'ai fermé mon compte et puis je suis allée faire autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas compétente? Non. Mais je vous assure que quand vous réussissez ce bonus, ça vous donne du punch aussi. Donc, ne négligez pas ce bonus. Gagner du bonus, c'est toujours bon, OK? Donc, les 14 premiers jours de ton inscription, je dis bien ton inscription, dès que tu crées ton compte, le compteur est lancé. Même si tu payes une semaine après, ton compteur est lancé le jour où tu crées ton compte. Tu as 4 types de bonus peur de perdre. Si tu réussis à parrainer 4 personnes white ou bien 4 personnes de différents comptes, mais le plus petit compte, il y a white dedans, automatiquement, tu as le bonus de 125 euros Bitcoin. Si tu parraines 4 personnes et que le plus petit compte est black, tu as 375 euros de Bitcoin de récompense. Si dans tous les 4 comptes, le minimum c'est gold, tu as 1000 euros de bonus et si 1005 euros, pardon, et si les 4 personnes sont titanium, alors tu as le jackpot, 3150 euros de Bitcoin, euro Bitcoin de bonus, ok? So, the fear of loss bonus is just a challenge. The company wants to play with you. She wants to see how good you are in the start, okay? But trust me, if you don't win this challenge, you are not going to change. Your life is still going to be the same. You can still be a leader and be the best person in CrowdOne. Because I myself, I didn't win that challenge. When I register, I just throw my account somewhere and I went to do other things. So I missed that challenge, okay? But I'm still here and I'm still making money, okay? So this challenge starts with the first time you open an account and not the first time you pay. Because you can open your account for free and pay later. So as soon as your account is open, the challenge has started. So if you register 4 people and one of them is white or all of them are white, you receive 125 euro bitcoins bonus. If you refer 4 people and one of them minimum is black, you have 375 euro bitcoin. If the little one is gold, you have 1000 euro bitcoin. And if all of them are titanium, then you have 3,150 euro Bitcoin. Before it used to be 3,000 euro Bitcoin. They have increased the bonuses, okay? So, next. On a fini avec le bonus peur de perdre. Si c'est bon, yes, dans le chat, j'avance. Bonus peur de perdre, est-ce que c'est bon? Si oui, yes, dans le chat, et j'avance. Is the fear of loss bonus, is that okay? If yes, then say yes in the chat. Please, participate, hein? Je veux sentir qu'on me suit parce que le but, je parle pour que vous compreniez. Je ne parle pas parce que j'ai envie de faire une présentation ou j'ai envie de parler à moi-même. Si je n'ai pas de retour, c'est que soit on ne m'entend pas ou peut-être le son est coupé et puis je suis en train de parler à moi seule. Voilà, j'ai besoin de comprendre qu'on me comprend comme ça. Je comprends que j'explique bien et puis je peux avancer. Merci. OK, super. OK, le matching bonus. Le matching bonus, c'est un bonus. Les termes techniques, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le mot qui est important. Le plus important, c'est comment on va me payer ce bonus-là, d'accord? Le matching bonus, c'est le bonus que tu gagnes sur les commissions que tes filles gagnent. On dit, tu parraines quelqu'un, cette personne gagne l'argent, on te paye encore une commission sur ce qu'il a gagné. C'est tout simple. Donc, si tu veux gagner plus de commissions sur tes filles de 5 générations, alors il y a des conditions à respecter. Si tu veux être au niveau 1, c'est-à-dire que tu veux commencer à recevoir 10% sur les commissions des filles directes, alors on dit, peu importe le pack que tu as, il faut avoir au moins 4 personnes directes que tu as parrainées. À partir de 4 personnes directes que tu as parrainées, même si tu parraines 1000 personnes, que tu es white, tu auras toujours 10% sur ton réseau direct. Maintenant,
Tu es fatigué de 10% du direct, tu veux descendre en profondeur, tu veux aussi manger sur les filleuls de tes filleuls. Alors, fais un effort, upgrade au black et puis parraine au moins 8 personnes et tu vas commencer à recevoir non seulement 10% sur tes filleuls directs et 10% sur tes seconds filleuls. Et si tu veux encore aller plus loin, alors tu peux rester black, il n'y a pas de souci. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Tu peux rester black, il n'y a pas de souci. Mais parraine au moins 12 personnes et tu vas recevoir 10% sur chaque génération, première, deuxième, troisième génération. Quatrième niveau, cette fois-ci, ton black va plus suffire. Il faut chercher à upgrade au gold, parrainer au moins 16 personnes et tu auras 10% sur quatre générations. Enfin, le last, c'est que le cinquième niveau, débrouille-toi pour être titanium, débrouille-toi pour avoir 20 personnes directement parrainées. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'arrêter à 20, tu continues de parrainer et tu auras 10% sur cinq générations. Donc, il y a des personnes qui pensent qu'on dit qu'à Crowdone, il faut s'arrêter à 20. Non! Moi, j'ai plus de 20 personnes que j'ai parrainées. Et je continue ça. Je ne m'arrête pas jamais. Tant que c'est possible de gagner de l'argent, moi, je ne suis pas rassasiée. Donc, je ne vais pas venir parrainer 20 puis m'asseoir et dormir. OK? So, the matching bonus is the fact that the company is going to pay you percentage out of the money that your downline are making. OK? The commission that they are making. If your downline make money, gets a commission, you get 10% out of this commission too. Your downline makes 1,000 euro, you make 100 euro. Your downline makes 10,000 euros, you make 1,000 euros. OK? Ce bonus-là, c'est quand votre réseau sera là, vous allez commencer à le comprendre. OK? This bonus is going to make sense when your network is going to become big. OK? So, it says that at the first level, whatever pack you have, white, black, gold, titanium, if you want to start receiving 10% out of your direct downlines, then you yourself at least sponsor four people. Minimum, you can sponsor 10, 100, 1,000, but at least four people. Now, if you want to receive more, let's say you want to receive 10% also on your second generation, it means your downline's downline. Then you need to at least upgrade to the black pack and refer at least eight people. Now, if you want to move to the next level, you can stay black, it's okay, but you have to refer 12 people and you receive 10% on each generation up to the third generation. And on the fourth level, you need to upgrade to the gold pack. You need to sponsor at least 16 people and you receive 10% on fourth generation. And the last level is you have to upgrade to the titanium. And you need to sponsor at least 20 people. Then you receive 10% on five generation. That is why in Crowd1, you don't come and rely on the white pack. If you rely on the white pack, you're going to be limited on the first level. And your downline, you are going to refer people. They are going to make money. You're going to lose money because your second generation are making money, but you're still white. Your third generation are making money, you're still white. Voici comment on perd de l'argent dans Crowd1. Quand vous êtes white là, vous pensez que vous êtes arrivé et vous avez beau parrainer 1000 personnes, quand vos filles commencent à parrainer, vous perdez de l'argent parce que vous êtes white. Vous ne changez pas de niveau au matching. Donc quand ton filleul parraine un filleul et le filleul gagne de l'argent, tu es censé avoir 10%, mais tu es en train de rater cet argent. Et quand le filleul du filleul va parrainer encore quelqu'un qui va gagner de l'argent, tu perds de l'argent parce que tu es toujours au niveau 1 du matching. Voici pourquoi on ne reste pas au white. Voici pourquoi il faut chercher à être titanium à tous les coups dans Crowd1. Sinon, tu vas rater un réseau qui explose. Et puis toi, tu es là, tu es dans ton white, là, tu rates de l'argent. OK? OK. Is the matching bonus understood? If yes, yes, and I can continue. Matching bonus. OK. If yes, say yes, and I can continue. Si le matching, c'est OK, dites-moi yes, et puis je continue. On ne vous demande pas de retenir tout ça. Hein. On vous explique, mais quand vous allez commencer à travailler, ce n'est pas vous, le système va calculer. Quand tu as tel pack et puis tu as parrainé 10 personnes, 20 personnes, le système calcule lui-même, il te paye les commissions auxquelles tu as droit. Ce n'est pas toi qui vas réfléchir, aller chercher les commissions toi-même, d'accord? OK. The system is going to calculate for you. I'm just showing it to you, but don't worry. When you build your team, the system is going to calculate and pay you according to the level where you are. All right? OK, le prochain bonus, c'est le bonus de Education Package Sales Bonus. C'est le bonus quand on parraine les gens parce que quand on parraine quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? La personne achète un pack d'éducation.
Donc, il a acheté quelque chose, c'est un produit d'entreprise, et on te paye une commission sur ce qu'il a acheté. D'accord? Donc, si tu parraines quelqu'un qui est white, mais avant d'avancer, j'aimerais vous expliquer que le crowdfund fonctionne sur un système binaire. Deux équipes. Quand tu vas te connecter, tu vas avoir deux équipes. Pour comprendre comment ça fonctionne, tu viens aux formations les dimanches. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais te dire que selon comment ton arbre sera constitué, si quelqu'un adhère du bon côté de ton arbre et que tu es censé recevoir des commissions, alors, si le pack est white, hein, tu auras entre 18 euros et 36 euros. 18 euros. Bitcoin. Multiplie par le taux dans ta monnaie. Le plus petit pack de crowd one, regardez la commission qu'on te paye. Allez regarder les plans de compensation des autres entreprises. Dites-moi si le plus petit pack, la plus petite commission que tu peux recevoir, c'est 18 euros. 18 euros? Et c'est 18 euros Bitcoin. En CFA, multiplié par 700, vous allez voir. 18 fois 700, on en a pour combien? On est au moins dans la vingtaine de mille. OK? Donc, la plus petite commission que tu peux avoir dans Crowdfund, c'est une vingtaine de mille de francs CFA. C'est 18 euros Bitcoin. Et imagine que tu parraines des gens avec des gros packs. Là, les commissions maintenant explosent en désordre. 56 à 108 euros pour le black. 144 à 288 euros pour le gold. Et 450 à 900 euros pour le titanium. 900 euros, 1000 euros pour un pack. OK? Donc, quand vous me demandez souvent, leader, qu'est-ce qu'il faut? Combien de personnes je dois parrainer pour être, comment on appelle ça, coordinateur, manager? Ou bien, on ne peut pas savoir crowd, combien de personnes tu dois parrainer. Il ne s'agit pas de combien de personnes tu dois parrainer. Il s'agit de faire entrer les bons packs et tu vas vite évoluer. Si tu passes ton temps à parrainer des white, tu vas évoluer à la vitesse d'un escargot. Pendant que ton ami est en train de parrainer les gold et les titanium, même s'il parraine un peu, il va aller plus vite que toi, tu parraines beaucoup. D'accord? Donc, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. So, the education sales package, OK? The education sales package is that commission you get. J'ai raté le côté anglais. That commission you get when someone join your network, OK? Your team. Crowd one is a binary system. It means you have two teams, left team and right team, OK? So, if you want to understand more this part, you need to come to the training, OK? I'm going to soon do English training too, OK? You need to come to the training and understand. But know that in crowd one, your commission depends on the pack that the person that is joining your team is buying, okay? If the person buys the small pack, then your commission is a is 18 euros to 36 euros. If the person buys the black pack, it can move from 56 euro Bitcoin to 108 euro. Then gold pack, 144 euros to 288 euros, and titanium, 450 euro to 900 euro Bitcoin, okay? Ce qui est bien, c'est que cette commission que vous voyez là, que ce soit vous qui parrainez, que ce soit un membre de votre réseau qui parraine, vous gagnez la même commission. Ça m'a fatigué quand j'ai adhéré à Crowd. Je me dis, mais non, comment quelqu'un adhère à mon équipe, je n'ai rien fait, et puis moi, je gagne la même commission que mon filleul qui a parrainé la personne. Je n'arrivais pas à comprendre. Mais sans formation, vous allez comprendre comment ça se passe, les paiements en fait. Mais retenez ceci, tu as parrainé, tu n'as pas parrainé, quelqu'un rejoint ton équipe, que ce soit par toi ou que ce soit par un de tes filleuls, tes sous-filleuls, tes sous-sous-sous-filleuls, ta centième génération, ta millième génération, ta un millionième de génération. Quelqu'un rentre dans ton réseau, tu reçois la même commission que celui qui a parrainé la personne. Tout va dépendre des points que tu vas avoir, bien sûr. OK? So, it doesn't matter if it's you or someone from the network who refer the person to your team. Even if it's your downline's downline, your 10th generation downline, your 100th generation downline, your 1 millionth generation downline, someone join your team, you are going to make money. It depends on how your team is built and you are going to understand that at the training, okay? So, je vais passer à maintenant au bonus résiduel. Le bonus résiduel, c'est la paye, le salaire qu'on te paye chaque mois pour le travail que tu as bas. Quel est ton grade à Crowd One et tu auras un salaire, le salaire que tu mérites. Je ne suis pas en train de parler de salaire, de contrat, de CDI dans une entreprise où tu t'attends à 100 000, 200 000 par mois. Non, c'est le salaire de l'entrepreneur. Tu es un entrepreneur à Crowd One, tu travailles pour toi-même et tu travailles la sueur de ton front
de ton cerveau, tu es payé en fonction de ce que tu fais. Tu es team leader, tu es payé en fonction. Coordinateur, tu es payé en fonction. Manager, tu as ta paye. Directeur, tu as ta paye. Président, senior président, ambassadeur, tu as ta paye. Et dans les grades, il y a encore des sous-grades. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles, etc. D'accord? Chaque grade a une étoile. Plus tu montes en grade, plus ton salaire est important. Et je vous assure que les présidents, seniors présidents, vous n'avez pas idée de leur salaire. Donc, en gros, ne regarde pas ton salaire de team leader. Viens à CrowdOne et puis regarde quel est le grade que tu vas avoir dans 6 mois, 1 an, pour qu'à partir de ce stade-là, chaque mois, on te paye au moins ça, sinon plus. Ce qui est bien à CrowdOne aussi, tu ne vas jamais perdre ton grade. On va pas dire que ce mois-ci, tu étais team leader. Le mois prochain, comme tu n'as rien fait, tu vas descendre, tu ne seras plus team leader. Après, tu seras manager. Et puis, si tu n'as rien fait, tu ne seras plus manager. Non, tu es team leader. Si tu ne fais plus rien, tu restes team leader jusqu'à ce que tu changes de grade. OK? C'est ce qui est superbe. On ne te conditionne pas. On te paye ton salaire. D'accord? Et ce qui est bien aussi, c'est que quand tu montes en grade, tu multiplies tes salaires. Regardez, quand tu es team leader, une étoile, tu as le salaire de team leader, une étoile. Quand tu es team leader 3 étoiles, tu as le salaire de team leader 1 étoile plus 2 étoiles plus 3 étoiles. Si tu es manager 3 étoiles, tu as le salaire de team leader 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, plus coordinateur 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, jusqu'à manager 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, jusqu'à, c'est comme ça que ça continue. C'est pour ça que les ambassadeurs, ne vous amusez pas avec les salaires. Ils ramassent tout. Pourquoi? Parce que tu as commencé par team leader avant d'être ambassadeur. Donc, tu auras le salaire de tous les grades additionnés ensemble. So, about the long-term residual income, there are 7 big grades in CrowdOne and 3 undergrades, okay? If you are team leader, coordinator, manager, director, president, senior president, and ambassador, depending on your grade, you deserve your salary, okay? I'm not talking about salary about working a company, no. I'm talking about your own salary as a boss, okay? Because it's your own business. You're going to be paid depending on your effort, okay? So forget about this salary of team leader, coordinator, even manager. It's small money, okay? It's even pennies, it's even nothing, okay? But when you're going to be director, president, senior president, trust me, your salary can start from 1,000 euros, 2,000 euros, 5,000 euros, 10,000 euros, 20,000 euros per month. And what the great thing about CrowdOne is when you get a grade, you never go down. So if you work hard, you become director. Even if next month, nothing happened in your network, you're still a director, you get paid, okay? And the great thing also is that if you move up, okay, you get paid more. Let's say if you're a team leader, 1 star, you get only your salary as team leader, 1 star. If you are a coordinator, 3 stars, you get 6 salaries, team leader 1 star, plus team leader 2 stars, plus team leader 3 stars, plus coordinator 1 star. All the salary together are accumulated and they give it to you. So my advice is don't look at those small grades. Give yourself a goal for the next 6 months or next year. Tell yourself, in the next year, I want to be a president. And work hard to reach that level. So that when that level comes, you are going to sleep and every month you're going to get that salary. Okay? You're going to get that salary. Est-ce que c'est compris le bonus résiduel? C'est ça, hein, le bonus résiduel. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez plus parrainer peut-être dans l'avenir. Mais quand vous allez arrêter de parrainer, il y a ce salaire-là, cette garantie que chaque mois, on va te payer quelque chose. Voici pourquoi il ne faut pas négliger le réseau. Travaille aujourd'hui dur pour bâtir ton réseau parce que ta retraite de CrowdOne, c'est ton résiduel. Ce n'est pas la pension, 40% de ton salaire. C'est ton résiduel. Et je vous assure que le résiduel de président, de senior président, c'est 10 000 euros, 20 000 euros. Est-ce qu'il y a une pension dans le monde qui fait 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros? Ambassadeur? Non! Il n'y a pas de pension comme ça dans le monde. Donc, le résiduel, c'est ta pension de CrowdOne. C'est la meilleure pension au monde, OK? Le Streamline Bonus. Le Streamline Bonus, c'est le bonus que tu as chaque mercredi en cadeau. Sauf que quand tu n'as jamais parrainé, tu as un petit cadeau de 1,25 euros. Si tu es content, tu peux garder. Mais quand tu commences à parrainer, tu commences à bâtir un réseau, alors ton cadeau, il devient extravagant. Il peut passer à 5 euros,
10 €, 15 euros, 100 euros, 200 euros, jusqu'à 2250 euros de Kraken Rewards, ok? Mais ce n'est pas de l'argent, c'est des points qu'on te donne. On te donne ça en points et tu les gardes. Pourquoi? Parce qu'il faut augmenter tes points parce qu'on va te payer chaque trimestre, c'est tout, ok? So, the streamline bonus is that gift that every Wednesday Kraken is giving to you. Those Kraken Rewards points, ok? If you never refer anybody, Kraken is also gentle with you and say, okay, it's okay, I'm going to pay you. I'm going to give you still some rewards, just some small rewards, 1.25 rewards. But if you want to get more, you have to build your team. The more you build your team, then the more rewards you get. And you can see that in your back office. Go to to Streamline, you see the table, okay? Donc, si vous voulez voir le tableau de comment on fait pour augmenter les rewards, allez dans le back office, dans les Streamline, d'accord? On voit ça aussi les dimanches. L'entreprise a un planning de paiement. Si elle ne voulait pas vous payer, elle n'allait pas faire un tableau, un planning, un agenda de paiement. Regardez, elle affichait les dates exactes où elle va payer les primes trimestrielles, les rewards, et les primes mensuelles en bleu, les résiduelles. Donc, de quoi as-tu peur? Rentre vite pour que tu fasses partie du trimestre prochain. Rentre vite pour bâtir ton réseau pour que chaque mois, on puisse te payer tout simplement. The company has an agenda, a calendar of payment. She doesn't need to make a calendar. If she didn't want to pay us, she wouldn't give us a calendar with exact dates. So she's going to pay us, and so far she has paid us every date, exact date. So join now so that you can get paid the next quarter, you can get paid the next month if you build your team. Okay? And the next gift is, the next bonus is those cruises, luxury cruises, and the bucket list. La prochaine, le dernier bonus, c'est quand tu as vraiment bien travaillé. On t'invite maintenant à des croisières de luxe pour rencontrer les autres membres dans le monde. Tu t'amuses comme un fou. Tu fais la fête. Tu mènes la vraie vie que tu dois mener normalement quand tu as de l'argent. On n'est pas là pour courir derrière l'argent tout le temps. On est là pour vivre, bien vivre, s'éclater. C'est de ça qu'il s'agit. Et la liste de rêves, c'est uniquement pour les présidents. Les dirigeants vous invitent, vous passez du temps avec eux et tu leur dis tout ce que tu veux faire. Tout ce que tu as envie de faire, tu fais ta liste, tu viens et tu vas exécuter ça à la lettre. OK? So, the luxury cruises are cruises where you meet all the members all over the world who have also worked hard like you. You need to have a certain grade to be invited to the cruise. And the bucket list is you spend a week with the CEO and founder and all the directors of the company. But you need to also reach a certain level for that. And on that trip, you tell them whatever you want to do in your life. You make a list, a wish list, and you are going to execute all those wish lists, okay? Now, comment on fait pour payer, d'accord? Si tu as une carte Visa, hein, va en ligne, cherche à acheter des bitcoins avec ta carte Visa sur les sites comme CoinMama, quoi d'autre encore? Coinbase, tous les sites où on peut payer des bitcoins par carte Visa, d'accord? Si tu as des bitcoins directement aussi, paye avec tes bitcoins dans ton back office. Sinon, si tu es en Europe, tu as un compte bancaire, tu peux faire un virement. Il y en a qui sont inscrits par virement bancaire, OK? Il y a un dernier moyen de paiement qui ne figure pas sur ce document, c'est le gift code. Le gift code, c'est un coupon d'inscription que tu achètes avec un membre de Kraken ou avec ton parrain. Tout membre qui a de l'argent dans son compte, qui a assez d'argent, au moins plus de 100 euros Bitcoin, peut, c'est-à-dire 1000 BP, peut acheter un gift code pour toi. Donc, donne ton argent à ton parrain et il te prend le code, il te le donne. Tout simplement. Et tu prends le code pour t'inscrire, pour valider ton compte. So, if you have a Visa card, how can you join Kraken? How can you make your payment? If you have a Visa card, go online and buy some bitcoins on those sites like CoinMama, Coinbase, and all these things, and come with the bitcoins to make your payment in your back office. If you have Bitcoin directly, then use them and make your payment. If you are in Europe, you have a bank account, you can use also the bank account and wire the money. And there's a last thing, it's not on this slide, I need to update that slide. The gift code is that you see one of the Kraken member or one of your upline and you give the money to that upline. You tell your upline the pack you want to buy. The upline is going to use the money on his Kraken account to buy the gift code for you. You receive the gift code and you activate your account with the gift code. Donc, Kraken est venue impacter le monde. Elle est venue avec une nouvelle forme d'économie, une nouvelle manière de gagner de l'argent, un nouveau métier pour nous, un métier d'entrepreneur du web 3.0, OK?
Elle veut faire de nous des entrepreneurs à succès. Elle veut faire de nous des propriétaires d'applications sans forcément posséder des applications. OK? Rappelez-vous, Uber n'a pas de véhicule, mais Uber se fait de l'argent. Airbnb n'a pas de maison, mais Airbnb se fait de l'argent. Aujourd'hui, nous, les membres, on ne possède pas d'application, mais on a une plateforme qui a des applications dedans et ça génère de l'argent et on se fait de l'argent. OK? En consommant, nous, on gagne de l'argent. So, Kravon is here to impact the world. OK? She has a lot of events she does that gathers crowds. OK? She wants to bring a new form of economy where we, simple members, we individuals, we can make money like the big corporation. We don't own an application. We don't own application, but we still have an account with application inside. And when those applications make money, we make money too. Donc, les plus grands événements en ligne au monde, c'est chez CrowdOne. Qui a déjà assisté à un événement en ligne, le dernier événement le 8 août? C'était fabuleux. C'est plus beau même que les awards de movie qu'on regarde aux États-Unis. C'est plus beau que un concours de beauté Miss Univers. C'est plus beau que tout ça parce que non seulement c'est beau, le stage est beau, tout le monde est bien habillé, on te met de la musique, on te met de la danse, et puis après tu apprends, tu gagnes de l'argent. Non, c'est fabuleux, on te récompense, on te cite quand tu as bien travaillé. OK? So, the CrowdOne online events are the craziest ever for me. OK? Why? It's bigger than even the world carpet, those movie carpet in Hollywood. Because you have everything. You have music, you have dance, you have magic, you have what else? You have inspiration, you have online coaching, in all this in those events. And you are happy that your company is making money because you make money too. Donc, il y a des formations aussi tous les dimanches, mais c'est en anglais avec Peter Jacobson. There's every Sunday, there's also a school called the Sunday School with Peter Jacobson. It's just motivation seminar, OK? Ce sont des séminaires de motivation, de leadership. Donc, quelle est la prochaine étape pour toi? Si tu as une invitée dans cette salle, alors, quelle est la prochaine étape pour toi? Il faut demander le lien d'affiliation de celui qui t'a invité. D'accord? Cette personne pensait à toi. Cette personne ne veut pas gagner l'argent seule, elle t'a invité. Pense au lien, inscris-toi. Dis-lui, écoute, j'ai écouté ton leader, Mireille. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris que ton truc, on gagne l'argent dedans. Je veux apprendre. Donc, donne-moi ton lien, je vais créer mon compte rapidement, je paye mon pack et puis je veux me lancer dans le groupe. Je veux que vous me formiez, je veux apprendre. Mais avant d'entrer, pose-toi la question, pourquoi tu entres? Est-ce que tu rentres parce que ça fait joli? Tu rentres parce que tout le monde le fait? Tu rentres parce qu'on t'a obligé ou bien tu rentres parce que tu as vu que CrowdOne pouvait aussi être une opportunité qui va résoudre ton problème, ta situation financière et changer ta vie. Si oui, rejoins. Mais si ce n'est pas ça, alors ne rejoins pas. Ce n'est pas une obligation. Va qu'à tes occupations. Si tu penses que tu peux gagner plus ailleurs, alors va gagner plus ailleurs. Mais si tu as adhéré, fixe-toi un objectif. Dis-toi, je rentre dans un an, je sors directeur ou président. OK? Parce que j'ai ma famille à nourrir, j'ai mes enfants à envoyer à l'étranger, j'ai ma maison à acheter, j'ai ma voiture à changer. Je ne veux plus marcher dans la rue, je ne veux plus souffrir sur le soleil, je ne veux plus quémander de l'argent, je ne veux plus devoir aux gens. Je veux changer ma vie et je serai directeur ou président et je me bats pour ça. Et quand tu as choisi ton objectif, alors commence à te former. Arrête d'être paresseux quand on dit formation, conférence. Fais-toi former. Viens à autant de conférences possibles. On n'a qu'à répéter la même chose. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de faire une conférence? Non. Alors continue de suivre les conférences jusqu'à ce que tu puisses faire une conférence. Suis tes leaders, OK? Écoute tes leaders, des conseils. Mets en place un plan d'action. Si ton leader, ton parrain direct n'est pas expérimenté, cherche ton grand leader, OK? Et colle-toi à lui. Ensuite, fais un plan d'action. Ne te lève pas le même lundi comme ça et puis tu ne sais pas ce que tu fais. Et puis finalement, tu ne fais plus rien. Bon, je vais mettre ça à demain. Après, je vais mettre ça à demain. Fais un plan. Le lundi, je fais quoi? Je fais ma liste de contacts. Je commence à appeler telle personne, OK? Et puis, suis ton plan d'action. Et enfin, reste en contact avec le réseau. On t'a mis dans un groupe WhatsApp. Arrête de faire comme si la communauté, ça ne t'intéresse pas. Tu es toujours dans ton coin tout seul. Tu ne dis jamais bienvenue. Tu ne dis jamais félicitations. Et puis, tu veux réussir. Ça ne va pas marcher comme ça, OK? Donc, tu es le bienvenu si tu veux qu'on t'encadre. Si tu es dans cette conférence, sache que tu es dans notre réseau et on est là pour t'encadrer. On va t'aider à réussir. What's the next move for you? The next move is that you have to know your why.
Why are you here? Why do you want to join? Okay? Don't join because it looks beautiful. Don't join because I speak nicely. Don't join because someone forced you to join. Don't join because people are doing so, you want to do the same. Join because you have seen the opportunity to change your life. You can see that crowdfunding can change your life, your financial situation. You are tired of living this situation where you are begging money, where you're always having debts, where you have dreams, but you can't accomplish your dreams. You never had a home in your life. You never had a car in your life, and you want to change that. Then when you join, set yourself goals. If you come here and then look at people making money, you're just there. You're not going to make money. Set yourself goals. Tell yourself, I want to be a director. I want to be a president in the next 6 months, in the next year. And when you set yourself goals, start to train yourself. Follow trainings. When we say conference, Zoom, come and don't be lazy. Come and listen and learn. Go on YouTube and make some search. Never be lazy of learning. Follow your leader. If your upline is not doesn't have experience, look for your next leader or your upline, the one that inspires you, okay? And make an action plan. Don't wake up every day and you don't know what to do. Tell yourself what you have to do. Write on the paper. I need to write my contact list. I need to send some messages on Facebook. I need to do this. I need to do that. I need to meet this person. And plan those actions and do them. And when some actions are not going the way you want, review them and change them. But if you are here and you want to make money, you want to be a coach, you want us to train you, we are going to train you so that you can succeed. Donc, j'ai terminé, mais avant de partir, très important, avant d'arrêter ma conférence, il y a des termes à bannir, ok? Crowdfunding n'est pas un système de vente d'actions. On ne fait pas de l'investissement. On ne crée pas des jeux à Crowdfunding, ok? Crowdfunding, c'est seulement une plateforme qui t'offre un programme de formation avec des Crowdfunding Rewards dedans. Et c'est grâce aux Rewards que chaque trimestre tu es payé, d'accord? La plateforme est une communauté sociale. Tu as d'autres membres qui font partie aussi. C'est un réseau social où les commerçants du web, ceux qui vendent des applications, les sites en ligne et tout, viennent faire leur promotion et nous, les membres, on va, on consomme. On utilise les bitcoins pour faire nos paiements. On ne vient pas faire du trading à Crowdfunding. Et on partage les récompenses seulement avec les partenaires affiliés. D'accord? So, Crowdfunding is not a business where we're selling shares. We're not selling shares. We are not an investment company. We are not a cryptocurrency company. We are not a developing games company, okay? Here, you buy your education program and you receive Crowdfunding rewards for free. You are part of a social community platform, okay? You meet other people. You are in a platform where online merchant, people that, like businesses that have online application, online websites, products to sell, they come and promote their product inside the platform, and with the members, we buy whatever we want. We're using Bitcoin to make payment. We are not doing a trading in Crowdfunding, okay? And we are just sharing rewards every quarter. That's it. Donc, arrêtez de dire, je suis fatigué d'investir à Crowdfunding, je veux retirer mon argent, comment je fais? Je veux mon investissement, j'ai investi 80 000 francs, combien je serai payé? Non. So you're not saying, I have invested in Crowdfunding, I want, how much am I going to get paid every this and that? Your payment depends on your efforts, okay? So, my name is Lida Mireille, and I was happy to give you this conference, and I hope you understood. If you have a question, you can drop your question in the chat, okay? Mon nom, c'est Lida Mireille. J'étais contente de faire cette présentation. Maintenant, si tu as des questions, tu peux les poser dans le chat. Peut-être que ça ira plus vite comme ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je remercie Sonia de m'avoir invitée. Super, I'll join you. Vous voyez la magie de la conférence? Si Sonia appelait Android, excuse-moi, je ne connais pas ton nom. Si Sonia s'assied pour dire Android, hey, j'ai une opportunité de t'en parler. Tout. Android n'a pas le temps, Android est occupé, on est en train de l'appeler à gauche, à droite. Quel temps Android va s'asseoir pour écouter Sonia? Mais quand il est en conférence, il est venu, c'est qu'il est disposé. Maintenant, il a assis, dit, OK, Sonia, je suis là, je t'écoute maintenant, j'écoute ton truc là. De quoi il s'agit? Et Android est disposé maintenant, Android est content, il veut adhérer. C'est bien. OK. Qui encore qui a été invité veut adhérer? Et puis, une chose importante, les Crowdfunding Rewards ne vont pas s'éterniser.
L'entreprise a décidé de faire des rewards pour un temps bien donné parce qu'elle est nouvelle et elle veut donner l'opportunité à tous ceux qui adhèrent maintenant d'être des pionniers. Quand ça va arrêter là, les nouvelles personnes qui vont venir seront des consommateurs. Ils vont venir gagner en consommant. Ils n'auront plus de rewards. Voici pourquoi il ne faut pas s'amuser avec les rewards. Pendant qu'il est encore temps, accumule le maximum de rewards. Adhère maintenant parce que c'est le seul moment maintenant qu'on t'offre des rewards quand tu adhères. Dans le futur, quand tu as payé ton pack, tu n'auras même pas de rewards dedans. Zéro rewards. Tu vas venir juste consommer pour gagner de l'argent. So, if you know this opportunity now, don't hesitate, enjoy. Why? The Crowdon Rewards is limited. The company is not going to distribute Crowdon Rewards every time forever. She's just doing it because the business is new. She wants you to be part of the business. She wants you to be a pioneer. But there is one day she's going to stop. That day, people are going to join just to come and consume and make money. They're not going to get Crowdon Rewards. They're not going to get paid every quarter like you are getting paid. So don't joke with that and try to get the most you can in Crowdon Rewards, okay?